12, douche, douce. Artiste, poète slameur, je suis passionné de cet art et j'ai un objectif précis qui est de défendre la basse classe, de dire haut ce que d'autres pensent bas. Moi, je rêve de voir un monde prédominé par le vivre ensemble, où il n'y aura plus de clivage, pas de discrimination quelconque, du racisme. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être pilote d'avion parce que j'étais, on peut dire, fan des avions. Parce qu'on vivait au sud du pays, juste à proximité de l'aéroport d'Essa. Et là, quand je voyais passer les avions, j'avais du coup dit à mes parents que moi, quand je serai grand, j'aimerais bien devenir pilote d'avion. Je dirais que c'est l'amour que j'ai pour ce art, le slam poésie. Je le fais avec toute mon âme, je le fais avec une passion à tel point où à chaque fois que je me retrouve face à un auditoire ou bien à chaque fois que j'entreprends un nouveau texte, je me mets à fond, j'essaie vraiment de déguiser ce texte, de l'habiller, de travailler le texte. Mon fidèle compagnon, le stylo, me dit « Alvin, arrête, tu risques d'avoir l'insomnie ». Je lui dis, t'inquiète, le jour où tu pourras manger à ta faim, où on ne parlera plus de l'éducation et de la santé, où tu pourras regarder Mbaye et Hassan comme un seul homme, ce jour-là, toi et moi scierons un pacte pour une profonde léthargie. Tout comme moi, mon esprit veille. À chaque fois où les mots m'assaillent, pas besoin d'oser, mais juste d'une feuille pour tenter des merveilles. Cool le slam. Rami Patara, Rami Patari, Riku Patara.